Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Une nouvelle extension sort bientôt, et c'est l'occasion de voir ensemble les cartes qui me semblent plus intéressantes pour notre format favori. Je suis Ragun, et voici mon top, consacré aux cartes non légendaires de la guerre fratricide, pour le duel Commandeur. On commence par le blanc, et tout droit sorti des cartes pour le Commandeur, Sanwell Asvanger est un pilote 3-1 qui épaulera au mieux les jeux artefact aggro. Tant qu'une créature artefact attaque, on prévient tous les dommages qu'il devrait subir, et lorsqu'il devient engagé, on exile les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque pour lancer une carte de véhicule ou de créature artefact en payant son coût parmi elles. Tout ce qui n'est pas lancé est remélangé en dessous de la bibliothèque aléatoirement. Vétéran de siège, un nouvel ami pour l'aspirant Liminarque qui possède un petit avantage si on joue assez de soldats. Il a le même texte que l'aspirante, mais c'est une 2-2 pour 3 et il synergise avec les soldats. En effet, lorsqu'un soldat autre que lui meurt, il crée un jeton 1-1 et soldat, justement. Loran de la troisième voie est un doublon du sage de reboisement, mais pour les jeux à base blanche cette fois-ci. Maintenant, on parle d'une 2-1 vigilance et légendaire, notre ami Yoshimaru et des packs blancs Death and Taxis comme Isamaru seront très ravis de l'accueillir. Elle peut également s'engager pour faire piocher les deux joueurs. Pour mono blanc, c'est aussi un swap potentiel face à Citis ou Sai. Recruteuse militaire est un tour 1 pour un blanc, 2-1 et soldat, qui peut acquérir de la valeur en fin de partie grâce à sa capacité activée. Pour 4 mana dont un blanc, on regarde les 4 cartes du dessus de notre deck et on peut alors révéler une créature de valeur de 3 ou moins qu'on met dans notre main et le reste va au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Fuite de Loran et discipline militaire sont de très bons ajouts pour Sveltopath, voix de l'impératrice. La première carte va vous permettre de protéger votre artefact ou votre créature d'un anti-bête, voire même d'échapper à une colère de dieu. Et la seconde est un enchantement qui va venir compléter la panoplie des auras avec le flash qui permettent, en complément de la capacité de Sveltopath, d'aller chercher l'aura la plus adaptée à la situation et au timing le plus opportun. C'est également un tricks de combat simple et efficace, car l'initiative temporaire peut être dévastatrice. Remise en service est un sortir de terre blanc qui peut cibler également les artefacts. Il coûte seulement 2 mana, ce qui est toujours très décent, et si jamais on ramène une créature avec lui, c'est un marqueur +1/+1 qui lui est ajouté. Séparation de l'âme est une interaction très tempo qui va vous permettre d'exiler un permanent non-terrain. Dès lors, son contrôleur peut la jouer depuis l'exil, mais si c'est votre adversaire, le sort sera taxé de 2 mana. Il s'agit à la fois d'un moyen de ralentir l'adversaire, mais aussi de protéger un permanent clé en votre possession. Avant de regarder le reste des cartes jouables dans l'extension, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore plein d'autres choses. Les cartes bleues sont un petit peu en dessous dans cette édition, mais certaines cartes ont malgré tout un petit peu de potentiel. Teferi, pèlerin temporel, est un planeswalker assez honnête, mais diablement lent. Son passif est intéressant, gagnant un marqueur loyauté pour chacune de nos pioches, son 0 est en fait un +1 hein, qui fait piocher, et son -2 vous permettent de créer un jeton 2-2 vigilance qui gagne un marqueur +1/+1 quand on pioche justement. Il semble compliqué à installer, mais une fois là, il a l'air de mettre une pression sans pareil. La carte semble un peu molle, mais ça reste quand même un planeswalker, et on sait tous que ce genre de carte peut être imprévisible en duel commandeur. L'officier frappe-ciel est un tour 3 plutôt aggro, évasif grâce au vol, il a gentiment créé des jetons 1-1 soda, et ce n'est pas rien. C'est un bel engin de ressources via les jetons d'une part, puis potentiellement en piochant. Mais il est aussi un très beau créateur de tempo via des blocs mitigeant l'agression adverse à coups de jetons, mais aussi simplement en créant de la présence. Il s'insère parfaitement dans un jeu tribal plutôt agressif ou simplement dans un jeu tempo bleu. Dans la méta actuelle, il trouve de multiples applications. Contre les jeux agressifs, les jeux contrôle, c'est aussi un bel engin d'attrition dans les miroirs de tempo. Tueur de Planeswalker, il conteste efficacement le Tex et Initiative et le Monarque. Design simple, sans prétention mais efficace. La Sentinelle du Zéphyr est son ami en ce sens. 2 mana pour une 2-1 flash avec le vol, il pourra renvoyer une créature qu'on contrôle dans notre main quoi qu'il arrive sur le champ de bataille. C'est très léger, mais dans l'optique d'un tribal soldat, il gagnerait un marqueur +1/+1 si la créature renvoyée est justement un soldat. La Machine domine la matière est un ajout spécifique à des decks tels Common Kill ou Sai, maître mécanoptériste, ou tout autre pack à tendance Affinity aimant jouer de nombreux artefacts en tout genre. Jix, créateur de Yogg-Zébul, pourrait être une bonne tête d'aggro en tant que pseudo arène phyrexiane sur patte. Accompagné de gestion à bas coût, donc pourquoi pas de rouge, il permettrait de générer de nets avantages. La vermine rongeuse est un ajout spécifique à Ogak. Un tour 1 qui meule est toujours acceptable,
même si ici il est un petit peu moins bien qu'une approvisionneuse du raccommodeur. L'ombre de la misère, c'est LA belle sortie de cette couleur. C'est une 2-2 pour 2 qui exile les créatures adverses s'ils devaient mourir. En plus, pour un mana et sans restriction d'itération, on peut lui donner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Une belle créature, efficace en début comme en fin de partie. Un must-have dans ses couleurs. Parmi les premières cartes parlantes du rouge, il y a la fin de la fraternité. Un effet fureur des dieux sans l'exil, mais capable de toucher les arpenteurs en plus des créatures, ou de détruire tous les artefacts de valeur de mana de 3 ou moins. La seconde option est un petit peu moins courante en duel commandeur, mais on ne sait jamais, suivant la méta que vous avez chez vous, dans vos boutiques ou dans vos associations, il se peut que cette carte prenne beaucoup de valeur. Feldon, excavateur de renom, c'est le genre de créature agressive qui va bien. C'est une 2-2 pour 2 et qui peut se remplacer potentiellement assez bien. Un ajout extrêmement intéressant pour Karizev, mais surtout encore une fois à Yoshimaru. La Scorgle géante est une carte polarisée qui ne coûte rien et possède de bonnes stats. Parfait pour empaler une méta jouant un petit peu trop sur les gains de points de vie. L'éclair oblitérant est une interaction rouge capable de contester Grist, mais aussi Raffine. Ajout important dans les jeux rouges. Et même jusqu'à Burn peut-être. Chante Forge Nain est une 1-3 pour 2 mana avec la prouesse et la parade payée 2 points de vie. Étant un sorcier, il intégrera sans doute Adélise, mais aussi Balmor, car sa défense acceptable et sa protection le rend très intéressant pour ces deux généraux. Concernant le vert, j'ai d'abord envie de parler du commandement de Titania. Il s'agit d'un sort dédié au jeu rampe, pour la bagatelle de 6 mana dont 2 verts, et il vous propose soit de gérer un cimetière, avec gain de points de vie selon la taille de celui-ci, de rechercher 2 terrains, pas forcément de base, à poser sur le champ de bataille engagé, de créer 2 jetons de 2 ours, et ou de mettre 2 marqueurs +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. Et faut bien l'avouer, ce dernier mode sera sans doute très peu utilisé par les joueurs qui joueront cette carte. La polyvalence de la carte a l'air géniale sur seulement 3 des premiers modes, c'est lourd effectivement, mais c'est très efficace. Il faudra éprouver la carte, mais je pense qu'elle a du potentiel. Vient ensuite Givret qui fait ses dents, c'est probablement le futur test de l'Onis. À chaque arrivée en jeu d'un artefact, on va gagner 1 point de vie. C'est la ligne qu'il faut retenir. L'idée est de voir si proposer un plan de jeu point de vie infini reste acceptable contre une majorité de decks. Titania, Voix de Gaïa, est assez difficile à évaluer. C'est une 3-4 portée pour 3 mana dont 2 verts, mais elle va permettre de gagner 2 points de vie lorsqu'un terrain ou plus est mis dans notre cimetière depuis n'importe où. Si Gearson, Balmor ou Raffine continuent de faire leur place dans le format, cette carte pourrait gagner en intérêt. Une carte sympathique à garder à portée de main je pense, si vous aimez jouer des jeux qui sautent aux meules ou qui font arriver beaucoup de terrains dans votre cimetière. Le Vaillant de Citanul et le Rôdeur de Bois Blanc vont être des améliorations spécifiques pour principalement 2 decks. Le premier pour Emara, qui s'insérera parfaitement dans ce type de deck, et le second pourrait potentiellement rejoindre Ogak, si tant est qu'il trouve une place dans celui-ci. Audace, c'est la nouvelle rancœur qui devrait figurer dans tous les decks qui listent déjà l'ancien enchantement. En bonus, on gagne un effet de combat très intéressant. La Volée de Bois, qui, pour un mana vert, vous propose soit un combat entre une créature que l'on contrôle et une créature de l'adversaire, soit une recherche d'un terrain de base, un sort polyvalent très utile dans le format, en particulier dans les decks aggro. Du côté des multicolores, je retiens quelques cartes. La Légion en cendres, c'est l'addition parfaite qui fait plaisir pour les jeux Orzhov à minima, plutôt axé midrange. Pour 3 manas dont un blanc et un noir, c'est une gestion à un permanent non-terrain d'un adversaire et à tout jeton du même nom que cet adversaire contrôle. Le mieux, c'est que ça exile. L'araignée pêche ciel est un bon ajout pour les decks Golgari. Futur test des packs Grist, c'est une jolie gestion à un permanent non-terrain sur une bestiole. Parfaite pour les jeux qui vont facilement sacrifier leurs créatures justement. Ajar, garde du corps loyal, ne vit principalement que pour entrer dans un seul deck, Yoshimaru Naya. Un body 3-3 pour 2 et qui va nous permettre de protéger nos créatures légendaires. Propre, net et efficace. L'iconoclaste de la troisième voie est un nouvel ami pour les jeux bleu-rouge. Il viendra probablement s'ajouter au jeu Balmor, mais également au jeu plus interactif de ses couleurs, comme Caisse, pourquoi pas. L'édition est pleine de synergie avec les artefacts, et ceux-ci ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont souvent des identités colorées, particularité de l'édition à bien prendre en compte. J'ai retenu la puce des traqués. Cette petite chenille caustique version artefact est une jolie alternative, possédant 2 capacités. Sa première nous fera gagner 2 points de vie si elle meurt, et la seconde, pour un vert, nous permettra d'enlever une cible artefact non créature ou un enchantement non créature uniquement. Un petit peu restrictif par rapport à la chenille, mais le gain de points de vie pourrait compenser ce défaut. Autre intérêt de jouer cet insecte, c'est une nouvelle cible au troisième chapitre de l'épopée d'Urza. Le transfigurant tranche-fouet, c'est une 3-1 pour 2 qui vient s'ajouter à la longue lignée des créatures noires qui reviennent depuis le cimetière, selon différentes conditions ou coûts. Et ce, pour le plaisir des packs aggro.
Ici, le coup pour le ramener avec un marqueur +1/+1 passe de 4 mana color et 2 mana noirs à juste 2 mana noirs si l'adversaire contrôle 4 terrains non basiques ou plus. Une condition sans doute très désagréable pour le standard ou le pionnier, mais pas tant que ça en duel commander où on est friand de posséder une belle mana base non basique. Notons une carte un petit peu idiote que tout enfant de 20 à 40 ans rêverait de craquer. C'est le joli portail de Phyrexia qui, pour 9 mana, va demander à chaque adversaire de sacrifier 3 créatures. De plus, il réanimera une créature à chacun de nos entretiens depuis le cimetière de n'importe quel joueur avec le type Phyrexian et sans contrepartie. Un beau joujou à ne pas laisser à la portée de n'importe qui. Parmi les différentes mécaniques de l'édition, l'exhumation revient. Le bureau de recherche de Mishra, c'est le réfléchir à deux fois du rouge. C'est particulier, mais encore une fois tutorisable par l'épopée d'Urza justement. Un artefact au coût de mana de 1 qui, pour 1 et en s'engageant, se sacrifie pour exiler 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. On en choisit une qu'on peut alors jouer jusqu'à la fin de notre prochain tour. A ça, on va ajouter l'exhumation, qui pour 1 mana et 1 rouge, va vous permettre de rejouer cette carte pour un tour uniquement. Un petit engin sympathique qui peut creuser dans notre bibliothèque dans un deck plutôt axé non aggro non bleu. Et parmi ces mécaniques, c'est surtout la mécanique du prototype qui voit le jour. Les créatures qui en sont dotées pourront être jouées pour un coût alternatif et auront alors une force et une endurance différentes. Pour une fois c'est facile, tout est noté dans la capsule de la mécanique sur chaque carte. Et avec cette mécanique j'ai retenu quelques cartes. L'intermédiaire ésotérique, qui coûte 7 et est une 4-3, mais qui peut être également une 2-1 pour 3 mana dont 2 bleus. Et à l'arrivée en jeu, si on l'a lancé, on va exiler la carte d'éphémère ou de rituel ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à sa force depuis notre cimetière. On copie la carte et on peut alors la lancer gratuitement. Principalement jouée pour 3 mana, la carte fait rêver, par exemple en rejouant une saisie dépensée, un éliminé et j'en passe. La valeur de cher Phyrexian est une 7-5 pour 7 ou une 3-3 pour 3 mana dans 2 noirs. Avec la menace, le lien de vie et la parade, payez X points de vie, X étant la force de la valeur de cher Phyrexian. Une très bonne bête agressive et très polyvalente, puisque souvent ou le moment où on la pioche, elle sera toujours très intéressante. Et enfin, le Séraphin d'Acier qui pour 6 mana incolore est une 5-4 ou juste une 3-3 pour 3 mana dont 2 blancs. Possédant le vol, elle va vous permettre au début de combat d'offrir à l'une de vos créatures le vol, la vigilance ou le lien de vie. Très polyvalente, un petit peu cher, mais peut-être que des jeux à base blanc seront très contents de l'utiliser. Pour moi, les prototypes noirs et blancs sont de bonnes créatures, bien statées et adaptées à l'agression justement. Pour finir, le format récupère 4 terrains très intéressants. Le premier de ces 4 terrains est le champ de démolition, qui est en fait un doublon fonctionnel du champ de ruines, et c'est probablement la carte la plus sûre dans la catégorie des casse-terrains jouables en duel commander. Petite différence, elle est écrite de manière à ne pas forcer les joueurs à chercher dans leur bibliothèque. C'est un vrai plus pour les jeux contrôle bicolore, voire peut-être tricolore, même si l'exercice semble difficile pour l'insérer dans une mana base Esper par exemple. Avec lui, Argoth, sanctuaire de la nature, vient titiller les jeux verts. Arrivant engagé, si vous ne contrôlez pas de créatures légendaires vertes, il pourra s'engager ensuite en payant 4 mana pour créer un jeton 2-2 ours et vous meuler de 3 cartes, mais seulement en rituel. C'est un potentiel outil de fin de partie pour ces jeux, en plus de remplir votre cimetière au passage. La fonderie de Mishra est un manant de plus pour les bases de mana monocolore. Synergique avec l'usine, mais aussi Mutkavo, on pourra effectivement payer un mana générique et l'engager pour donner +2/+2 à un ouvrier spécialisé attaquant. Et enfin, bien plus spécifique mais notable, la tête de pont fortifiée est un terrain blanc-bleu arrivant engagé, excepté si vous révélez un soldat depuis votre main ou si vous en contrôlez un. Il vient améliorer une mana base d'un deck tribal soldat aggro par exemple, en plus d'avoir un effet utilitaire pour clore la partie. Pour 5 mana et en l'engageant, il donnera +1/+1 à tous vos soldats. La carte est spécifique, oui, mais assez costaude pour en parler. Voilà, c'est fini. Si je peux conclure, pour moi c'est un beau set rempli de cartes intéressantes pour améliorer plusieurs decks actuellement représentés dans le format que j'ai cité dans cette review, mais aussi des decks forts en devenir, voire peut-être et sans doute même ceux auxquels je n'ai pas pensé. J'en ai terminé avec les cartes potentielles à mettre dans les 99 de vos decks de l'extension La Guerre Fratricide. N'hésitez pas en commentaire à me partager votre impression de l'extension et venir également en parler sur le Discord de la chaîne. On se retrouvera semaine prochaine pour la suite et fin de ce top qui sera consacré cette fois-ci aux généraux de l'extension. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous !